Ça, j'ai pris de la mousse. J'aime bien le bruit. Alors, c'est pas du tapping, c'est vrai. Mais ça rentre dans mon top 5. Donc, il est pas mal celui-là. Pas mal du tout. Voilà. Donc, ça, c'est du. La mousse, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que t'en penses. N'hésite pas à noter les tingles de 1 à 10, d'accord? Comme ça, je verrai un petit peu. Puisque oui, je suis actuellement en direct, je vous regarde et je vois un petit peu les notes que vous aimez, que vous mettez à l'objet. Comme ça, je pourrai les réutiliser si vous aimez bien la vidéo. Ça n'est pas mal. Mais surtout, celui-là. Qu'est-ce que tu en penses? Pas mal celui-là. Thank you.
Massage. J'enchaîne avec les autres tingles. Bon, voilà, c'est la poire, tout simplement. Mais à présent, on va aller voir tout de suite un autre déclencheur que j'aime bien. Alors, c'est des tingles plutôt intéressants aussi. Alors tu vois, en fait c'est tout simplement 4 fadrons. Et quand je les ai achetés, quand je les ai pris, tout de suite quand je les ai tenus dans la main, le bruit que ça fait. Alors c'est pas du tapping, c'est vrai, mais ça reste tout aussi relaxant. Du rouge, du bleu, du vert et du rose. Voilà. Donc du coup, on a nos 4 couleurs.
l'essence. Moi, je fais partie des gens qui adorent l'odeur de l'essence. C'est bizarre, mais ça existe. J'insiste un peu là-dessus, mais j'aime beaucoup ces 4 fêtres. Donc, voilà. Allez, 4. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est pas une vidéo, un live, c'est un live préenregistré. C'est un petit peu différent, mais je teste le contexte, le concept. Celui-là, je pense qu'il va plaire à pas mal de monde. Donc, le but de cette vidéo, c'est de. Oula, un peu fort. Le but de cette vidéo est tout simplement de noter les tingles, ce que je vous montre. Vous les notez, c'est toi le juge, c'est toi le patron, tu vois, c'est toi le papa. C'est toi qui juge les tingles, ce que je te propose. Et comme ça, moi, dans d'autres vidéos ASMR, je les ressortirai. Moi je le préfère, dis-moi là si tu le préfères ou pas. Ça j'aime bien, il fait un bruit un peu plus, je sais pas, un peu plus grave. Et ça reste tout aussi agréable d'écouter ce bruit. Non, on trouve pas. C'est fou comme avec une simple carte. Je me fais une petite idée.
style. J'ai pris ça. C'est une boîte à crayons. Une boîte à crayons, en fait. Et on se rapproche du bruit de la carte. Ouais. On se rapproche du bruit de la carte. C'est relaxant. De quoi? Tu préfères le bruit de la de la perceuse. Mais le bruit de la perceuse est très agréable également. Si on a un peu de chance, peut-être qu'on entendra le bruit de la perceuse. Mais ça, c'est que si... Ça, parce que depuis tout à l'heure, il y a tu verras peut-être que dans la vidéo, il y a des coupures. Parce que mon cher voisin décide de trouver son mur. Ça fait tellement longtemps qu'il trouve son mur que j'ai l'impression que le mec, il habite dans une gruyère. Je sais pas comment il fait. Il kiffe les trous, le mec. Donc ouais, ça, c'est vraiment un bruit délicat. Vraiment doucement. Le marron, le bleu, le orange, le noir, le bordeaux, le bleu, le jaune, le rose, le serre fort fort fort. J'aime bien. Donc ce live va durer plus ou moins une demi-heure déjà. Voilà, j'espère en tout cas que ce concept est bien. Alors c'est pas un vrai live, c'est une rediffusion. Mais si t'aimes bien, voilà, ça peut. Le mercredi il y aura soit des vrais lives, soit des rediffs. Voilà, l'un dans l'autre, tu sais, les deux, j'espère, te plaisent.
Je dis, c'est tout bien.
social, tout va bien. Je mets le S comme social. D'accord. Ok. Donc le social, c'est le côté ami, relation, famille. Troisième pilier.